IFH, bonsoir. IFH, bonsoir. Voilà, merci. Merci à vous d'être là. Merci d'être venu. Et je dis, hein, c'est lancement. Bon, pas obligé de parler français quand même. C'est l'Institut français en Haïti, n'est-ce pas? Voilà. Donc, merci parce que nous venons dans le lancement Comedy Club, ça. Et moi, j'ai une légitimité pour me prendre la parole parce que et moi, c'est moun qui t'est formé, jeune, ça eux que nous pourrions regarder tout à l'heure là. Donc, du coup, c'est comme un travail que nous pourrions remettre et c'est la première fois, pour me dire majorité dans eux, pour me pas dire toute. Et, je fais ça longtemps, record. Et moi, très fier de travail que vous faites. Et moi, je voulais prendre le temps remercier Institut français qui t'est pensé avec un si bel et bon projet. M'cap dit parce que nous n'en période que dès que humour partout dans le monde y apprend et sort. Et toujours mettez des structures pour que, humour tout prend et sort. Il y en Haïti. C'est louable, c'est bien. Maintenant, demandez-nous vraiment pour nous applaudir, s'il vous plaît. Merci. OK. Voilà. Et parce que même si l'Institut français a une volonté et tout, c'est le bas de joindre moi. Peine perdue. Applaudis-moi encore, s'il vous plaît. Je dis à ne pas jouer. OK. Pas inquiétez-nous. Ça va pas dire que ne pas prendre tout, OK. Pas jouer, mais, me plus stressé que l'homme qu'on joue. Heureusement. Parce que, me viens remarquer que l'heure qu'on gagne, moun qu'on forme et qu'on prend le garder, il est plus stressant que laisser ou même qu'on connaît qui prend le jouer. Applaudis-moi, s'il vous plaît. Bon, mais bon, merci encore d'être là et ça va être un moment extraordinaire. Et j'aime dire nous, t'as le lent, c'est des jeunes qui a fait ça pour la première fois majoritairement et c'est vraiment un très bon moment. Merci parce que nous venons. Applaudissez donc, s'il vous plaît, ces dernières fois. Mais avant de commencer à garder spectacle, avant de commencer à rire, moi, spécifiquement, fait appel avec une personne qui, pas trop important, mais qui, bon, de toute façon, qui l'a et qui c'est coordonnateur. Bon, Andy qui joue le coordonnateur. Et Comédie Club, là. Non, lycée. C'était quoi déjà? C'est Alexandro, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. OK. Non, moi, quand vous venez, moi, je fais applaudir quand même. Retourne. OK. Alexandro, c'est Jean Tabdino, il y a une personne qui n'est pas trop importante pour Comédie Club, là. D'ailleurs, il n'est pas joué, il a juste une fond discours que n'importe qui a fait, d'ailleurs, pas vrai? On applaudit présence Alexandre, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, encore une fois, Alexandre, le coordonnateur dans son disco. Chien. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de votre fuseau horaire, puisqu'actuellement on est en France et en Haïti en même temps, grâce à la magie de la francophonie. Je suis très honoré et fier d'être avec vous aujourd'hui. Bon, certains d'entre vous, pas vous tous, pas toi, Cantave. Je suis très honoré et fier d'être avec vous aujourd'hui au lancement du Comedy Club de l'Institut français en Haïti. Merci à l'IFH d'avoir créé cet espace d'expression libre, indépendant et supporté par un pays ami. Une amie de longue date, la France. Une amie avant même la demande d'amis sur Facebook. On a vécu beaucoup de choses en Flandre, la France. On salue l'ambassadeur. L'Institut français, dans sa politique de supporter la culture haïtienne à travers sa musique, sa littérature et son cinéma, entre autres, a décidé de supporter l'humour haïtien à travers la création de ce Comedy Club. Il était temps que l'IFH commence à supporter l'humour qui est en pleine expansion ces derniers temps. En effet, de nombreux humoristes haïtiens nous font rire tous les jours. Gaël Bien-Aimé, Kantavka et André Michel, pour ne citer que ceux-là. Ce Comedy Club, dont je suis le coordonnateur, comme il l'a si bien dit, merci Kantav, a été créé dans le but de former, accompagner et offrir une scène aux jeunes humoristes du pays. Le club sera dirigé par un comité de 5 membres, 2 hommes, 2 femmes et un délégué, élu lors d'une élection
Mande yo. Il fait me perdre écoute m'ti. Oui, gon point après virgule là. OK. Ah, voilà. Un délégué élu lors d'une élection ouverte, libre et démocratique réalisée sur WhatsApp. Ce club, composé de 17 membres pour le moment, est un espace ouvert, accessible à tous les humoristes, à condition d'être ami avec un membre de l'IFH. Non, c'est une blague. Je suis humoriste. Bon, m'assure et ambassadeur à comprendre, ça me saute dire, mais bon. Parce que le pat ni français ni créole. Vous avez remarqué ça. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour féliciter l'Institut français pour sa méthode géniale pour lutter contre l'insécurité, réduire le public à 50 personnes. C'est une idée géniale, mais j'ai l'impression que l'IFH pense qu'on lutte encore contre le Covid. Le Covid, la Covid. On dit le Covid ou la Covid? La Covid. Petite parenthèse. On dit Covid-19 parce que la maladie est apparue en 2019. Vous vous imaginez si elle était apparue en 2000? Je vous vois réfléchir. Vous avez quelques secondes? Vous avez quelques secondes? Eh bien bon, j'ai oublié la troisième page du discours. Je vais devoir improviser. Je peux pas improviser en français. Donc, n'a mettez sous-titres pour ambassadeur. Kantav, c'est dans page 3, oui, d'après bien sûr. Donc, merci à Kantav à la page 3. Merci Zetren, merci Nakisha. Merci à toute équipe IFH là. Merci à nous-mêmes qui gardons spectacle là. Merci à nous-mêmes qui là. Puis bon moyen pour supporter Comédie Club là, c'est d'en garder et puis partager spectacle nous. Et pour finir, c'est un honneur de vous compter comme notre premier public. Pas vous tous, certains d'entre vous. Calme-toi, Kantav. Bon, merci, coordonnateur. On l'applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Il n'avait pas les couilles de préparer un spectacle. Il a fait un discours. Et maintenant, c'est le moment tant attendu. Dis tant attendu, je vais. Tu as fait préliminaire. Anyways. Mesdames, messieurs, nous toutes fait déplacement pour yon bagaille bien spécifique et moment l'y arriver. Nous prenons le prendre bagaille bien spécifique, ça. Spectacle pour même commencer. Mesdames et messieurs, oh. Mesdames et messieurs, sur cette scène, pour la première fois, depuis Martissant, en passant par le village qu'on aime, un tonnerre d'applaudissements. Oh, on me dit un tonnerre d'applaudissements, vous entendez quoi? Pour Florence Char, s'il vous plaît. Bon, 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 bon. Je traîne, bonjour. Okay. Bonsoir tout le monde, je suis en couple. Je connais une pile femme là qui fait des déplacements spécialement pour une jeune garçon là. En tout cas, tout dit ça. Je suis en couple, je vis avec ma femme. Okay? Et la raison de ma présence ici, c'est parce que je cherche une femme. Une femme de ménage, ok? Une femme de ménage. Et du coup, je vais avoir deux femmes à la maison et elles feront les mêmes travaux. Me faire à manger, faire le ménage, me faire jouir de toutes les bonnes choses de la vie, quoi. Je suis féministe, ok? Je suis féministe. C'est une blague, mais c'est vrai. Quoi? Bon, je suis Florence Scholl et je viens de vous mentir là, les yeux dans les yeux. Le truc, c'est que
je suis célibataire. Être en couple, ça me faisait trop chier. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche en moi. Genre, je suis un mec beaucoup trop sensible, trop attentionné. Des fois, je me regarde dans un miroir, je me dis, Florence, yo, attendez, t'es un mec. Où sont tog, man? Et le miroir me répond, ou pas tog, non, man. Mais même quoi, garçon, ou pas gain ban, ou pas gain ban. Et il a raison. Parce que je suis trop sensible, trop émotionnel. Parce que des fois, je tombe amoureux d'une personne que je ne connais même pas encore. Par exemple, vous, madame. C'est la première fois qu'on se voit. Je le savais. Vous vous appelez comment? Je le savais. Et vous êtes célibataire? Je le savais. Vous êtes intéressé par moi? Chut, ça aussi, je le savais. Messieurs, écoutez, il faut faire la différence entre ce qu'une femme veut et ce qu'elle désire réellement. Écoutez, les femmes veulent toutes d'un mec qui est gentil, attentionné, célibataire. Mais au fond, les femmes ont besoin d'un mec qui leur... Flakata, flakata, flakata! Flakata, plakata, flakata, plakata, flakata, plakata, flakata, flakata! Ouais. Ouais. En plus d'être un menteur, moi, je suis quelqu'un de très honnête. Très honnête. Quand je mens, je le fais en toute sincérité. Ouais. Et je suis un politicien. Vous savez ce que j'aime chez les politiciens? On sait qu'ils nous mentent. Ouais. Ils savent qu'ils nous mentent. L'international sait qu'ils nous mentent. Du coup, je me demande, quand est-ce que vous, oui, vous, vous aurez cette conscience collective et vous ouvrir enfin les yeux pour vous rendre compte que je n'ai aucune idée de comment je vais terminer cette blague? Mais oui. Mais comment politicien au bon son nom, hein? Mais ni, quatre jeunes faux qui sous moi cap dit tintin. Bat bravo pour nous, non? Mais ni. Franchement, écoutez, l'erreur fois où je me sentais vraiment fidèle dans une relation, c'était avec mon infidélité. Ouais, je sais, je suis un vrai salaud. Entre salons, on se reconnaît, ok? C'est pas grave. Dernièrement, une femme est venue me voir. Alors, pas une femme, c'est mon ex, pas mon ex, alors une collègue à moi, de longue date, est venue me voir et elle me dit, « Florine, tu sais, je suis célibataire et je veux le rester. Je veux rester seule. » Moi aussi, je suis célibataire et je veux le rester. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reste ensemble? Et depuis là, ça fait un an qu'on est ensemble. Mais on est toujours célibataire. Entre célibataires, on serre les jambes. Alors les couilles, oh, on serre les coudes. On se serre, vous comprenez? Célibataire engagé. Ouais. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le mot célibataire est présenté comme une anormalité. Genre, célibataire, c'est chien. Messieurs, dames, être célibataire, c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées. Moi qui croyais qu'on baisait seulement quand on était en couple, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Mm-mm. Les légendes le savent. Si tu es célibataire et que tu ne baises pas, ça veut dire que tu es en couple ou que tu es moche. Et si t'es moche et en même temps tu es en couple, ça veut dire t'es marié. Bon, me dis, ou alors célibataire ou libre. Mesdames, moins libre.
OK? Quand tu es célibataire, tu es libre. Libre d'aimer. Nous sommes libres d'aimer. OK, nous pas de venir dans concert. Nous pas de venir dans concert. Nous venons garder un stand-up. Et quand tu es marié, pour qui ne t'es marié, si tout t'en a fâché, voilà, moi m'a pas comme ça. Parce que, quand tu es célibataire, l'amour commence toujours par le célibat. Nous pas quoi? Attendez. Quand tu es célibataire, et tu veux sortir avec quelqu'un, tu sors d'un côté. Une autre personne que tu ne connais pas sort d'un autre côté. Et ça fait trois côtés. Un triangle équilatéral. Mais j'espère que tu as fait deux, trois jours l'école, à Ban Paris. Bon, OK. Qui ça contre triangle? T'es chérie, ça contre triangle. Au baronné? Même si demoiselle là qui ça contre triangle, non seulement elle dit mandé ou l'ouvri deux jambes ni bas moi. Chérie, ça son triangle Bermude. Moi, je ne couche pas avec trois catégories de femmes. Premièrement, quand c'est la meuf d'un ami, d'un très bon ami, et moi j'ai pas d'amis. Deuxièmement, quand c'est de la famille. Mais si c'est de la famille éloignée, on prend du recul. Ah bon, t'es la fille de mon oncle. Mais mon oncle est mort. Du coup, il n'y a plus de lien de parenté. Alors, tu n'es plus ma cousine. Je ne suis plus ton cousin. On peut reconstruire nous-mêmes le lien de parenté qu'on a perdu. Et au final, j'ai couché avec mon ex-cousine. Pas trop fort en mathématiques, mais pi bel calcul, me songe me fait, c'est dans l'amour. Parce que dans l'amour, yo apprend nous 1 plus 1 égale 1. Depuis l'aime comme ça, des gros ménages. M'ajoute un autre ménage. M'vingon l'autre petit boubout. M'ajoute toujours, parce qu'au final, on fera tous qu'un. L'union fait l'amour, mes frères et sœurs. Nous-mêmes, peuple haïtien, peuple béni, si nous te prenons compte de calcul ça, calcul l'amour ça, pour nous connaître où même, li même ou même yo même nous tout ensemble t'a fait youn nous pas t'a nan rayi l'autre parce que nous tout ensemble t'a joini melan même jour kounya là c'est email qui est sur t'a pral utiliser et c'est là n'ta pral diviser moi j'étais tellement infidèle que je suis devenu moi-même l'infidélité. Des gens me demandent, mais pourquoi tu es si infidèle? Comment tu fais pour être si infidèle? Là n'est pas la question, mon ami. Comment toi tu fais pour être fidèle? Parce que pour être infidèle, il faut juste pas être fidèle. Mais pour être infidèle, alors pour être fidèle, il faut tout simplement, pour être fidèle, je ne sais même pas ce qu'il faut faire pour être fidèle. D'ailleurs, je suis né à cause d'une infidélité. L'infidélité, c'est ma raison d'être. De base, celui qui aurait dû être mon père n'est pas mon père. Et celui qui est mon père n'aurait pas dû être mon père. Mon père est prêtre et trafiquant d'armes à la paroisse épiscopale d'Haïti. Ouais. Applaudis, non. Je suis un professionnel de l'infidélité numérique. J'ai étudié à la faculté des Beaux-Gosses, FIDEL, non ouais ça. Et j'ai travaillé sur l'affaire Rudy Rootboy et Rachel Guillaume. Et ça a fini en trouble.
Et actuellement, je bosse sur l'affaire Blondedine Ferdinand et c'est top secret. Il y a 3 étapes essentielles pour être un professionnel de l'infidélité. Premièrement, fuck ou bel garçon. David, ça va pour vous. Hein? Ça va pour vous, David. Fuck ou ces gens de garçon. L'œil aux femmes, wow! Il t'a apaisé pour le ménage, pour le deal. Chérie, gardons-tu du riz en paille? Et puis, pour te là, même, il dit, moi, là, avant, oui, chérie. Depuis tout à l'heure, je regarde monsieur, yo, monsieur imposant, monsieur Aïmaï. Ou est-ce que tu étais haut, monsieur t'as fait mon mot. And this is Steve J. À l'aise, bat bravo! Vous savez, sur cette même planète, il y a des gens qui sont en couple avec eux-mêmes, qui se marient avec eux-mêmes, qui font le vœu de rester avec eux-mêmes. Genre, ils s'aiment tellement au point de ne pas aimer les autres. Quel dépassement de soi, hein? Dernièrement, je rencontre un partenaire. Alors, monsieur était marié avec tête, et puis il me dit, depuis qu'il est même, ou fait rencontre ça, depuis qu'il a rencontré tête, ou, à l'heure. Depuis qu'il est même rencontré tête, c'est ton 5 décembre 1492, pendant que tu as passé son côté, moi, peut-être, moi, devant miroir. Waouh! Ou quoi, c'est moi? Et puis, miroir répond, oui, c'est moi! Et depuis lors, Florence, je suis complètement tombé amoureux de cette personne que j'ai rencontrée devant le miroir. M'a imaginé qui Jean Mounsayo m'a dit tête yo mariage. Jean, yo devant moi. Est-ce que tu veux, moi qui suis toi, t'épouser? Oh, je suis pas encore prête, moi. Attends-moi. Non. Ok, tu peux mettre la bague. Jean, sérieusement? Gonti dame, il t'a fait vœu pour le rester à tête li. Et puis, dernièrement, Mouel, m'a dit enceinte. Moi, que t'es con bah, elle me dit, ne me dis pas que tu n'as pas été fidèle à toi-même. Florence, je me suis trompée moi-même. Je me demande pardon. Mais je ne crois pas que je vais pouvoir me le pardonner. Du coup, je me suis quitté moi-même. Merci! Applaudissez, s'il vous plaît, Marie-Anne! Merci, merci. IFH, bonsoir! Je suis Marie-Anne Cadet. Oui, je m'appelle Anne. Je dois vous dire que quand j'étais petite, j'aimais mon prénom parce que je croyais être la seule Anne. En allant à l'école, j'ai appris qu'il y a d'autres Anne. J'étais confuse. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à avoir des problèmes avec ce prénom. Puis un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi il m'a appelé Anne. Il m'a dit, ma chérie, j'ai vécu des années horribles toute ma vie. J'ai voulu avoir une année à moi qui soit douce, belle, paisible. Et sincèrement, ma chérie, quand je regarde aujourd'hui, je vois que mes années continuent d'être horribles. Il y a divers types d'années. Il y a divers types d'années. Il y a des années civiles. Il y a des années bisexuelles. Moi, je suis une année bisexuelle.
C'est pas vrai, je blague. Ordinairement, une année a 365 jours, 12 mois, 52 semaines. Et moi, ça fait déjà 25 ans que je suis une année. Mais c'est vrai. Je suis la seule année qui ne change pas. De 1998 à nos jours, je reste la même année. Des fois que j'ai l'impression que je dure trop longtemps. Ouais, c'est vrai. Quand je vois les années passées, je me demande, suis-je vraiment une année ou plutôt une anecdote? J'ai été voir un psy, oui. J'ai été voir un psy parce que j'avais trop de problèmes à cause du surprénom. Puis elle m'a dit que je dois voir les choses du bon côté. J'ai commencé à voir les choses du bon côté. Je me suis dit, genre, je suis la seule personne au monde qui s'appelle année. Ou plutôt, je suis la seule année en personne. Donc, je suis année en personne. Nous toujours parler de année, pas vrai? Eh bien, mes années. Gade année. Admirer année. En chair et en os. Sans devant. Sans derrière. Sans devant. Sans derrière. Et puis, tout coûte. Qui a déjà vu une belle année? Qui a déjà vu une belle année? Les années ne sont jamais belles, sauf moi. Oh, la beauté de ça. Vous n'avez pas vu la beauté? Vous n'avez pas vu la beauté? Eh bien, c'est parce que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, si on ne parle pas belle, c'est parce qu'il n'en joue pas une beauté. C'est pour vous dire que je suis la seule année qui a un cœur, qui a des sentiments. Oui, j'ai du sang qui coule dans ma culotte. Tous les mois. Parfois, je me demande, est-ce que je suis une bonne personne ou plutôt une bonne année? Étant donné que je suis une année, logiquement, je devrais me marier avec une autre année. Peut-être qu'on aurait des enfants. En tant qu'année, j'aimerais avoir 12 enfants. Oui, 12 enfants. J'ai déjà le nom de mes 12 enfants. Oui. Mon premier fils, je vais l'appeler Janvier. Oui, Janvier. Le deuxième, Février. Le troisième. Rété. Ça qui passe. Comment nous faire contre nos petits moyens? J'ai un peu peur de la réussite. Parce que je ne veux pas troubler les gens dans le futur. Oui, je ne veux pas troubler les gens dans le futur. Imagine que j'invente une machine qui peut te faire jouir de ta jeunesse. Mais non, pas ça. Disons plutôt, une machine qui empêche la corruption. C'est sûr que je vais marquer l'histoire. Puis après ma mort, quand on va parler de mon invention à l'école, tu vois, le prof qui commence. Année était une année particulière. L'année où Année a inventé la machine qui empêche la corruption était une année horrible. Ça va créer des confusions. Oui, ça va créer des confusions. Imaginez une machine comme ça, vrai. Pays à ta belle, lui. C'est pas vrai? Combien de nous la machine n'a pas arrêté? Nous allons faire des corruptions, nous? Nous allons prendre poule? Nous allons voir les petits corps, maman, nous? D'ailleurs, combien de nous payons spectacle là? Ah, nous venons là. Nous venons dans spectacle là. Nous venons garder un cap jouer.
et puis n'a grien dans nous encore sans nous pas payer. Nous continuer ri, nous pas honte. Nous pas honte. C'est depuis là où la corruption a commencé. Et puis besoin pour pays a changé. Nous pas sentir coupable. Eh monsieur, ou pas sentir coupable. Ou pas sentir coupable. Parfois je me demande, est-ce que je suis une bonne année? Est-ce que je suis une bonne personne? Ou plutôt une bonne année? Oui. Des fois j'ai envie de parler avec, j'ai envie de discuter avec les années passées. J'ai envie de discuter avec les années, genre les années passées, les années 80, le bon vieux temps. Ou Sweetmi qui n'était pas encore un bandit légal. Mais j'ai surtout envie de discuter avec les années à venir. À ce que je vois, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un avenir? On dit toujours, l'avenir dira le reste. Et s'il n'y a pas d'avenir, qui dira le reste? Un bon petit ménage, oui. Bon petit ménage. T'as eu un problème avec elle, les gens je la posté dans statut. Pourquoi je m'en ai comme ça non men? Quand nous on est fucked up men, ah? Parce que ben on est ça vague oui moi-même. Et puis me relel, me dit chérie, c'est avec moi parler. Il dit ah bébé, ouais, comment 2023 vient à menou là? Oui. J'écrivais un texte sur Google Documents, puis j'ai écrit Marie Année Cadet. Devinez, le logiciel a souligné Année, il a corrigé, il a écrit Anne. Donc, même le logiciel est plus intelligent que mes parents. Il sait que quelqu'un ne peut pas s'appeler Année. Je dois vous dire quelque chose que vous ne savez sûrement pas. Il n'existe pas d'année prochaine. Lorsque vous dites l'année prochaine, c'est toujours la même année, mais en une version Pro Max, avec les mêmes problèmes, les mêmes têtes chargées et le même Ariel Henry. Ouais. Je sais que cela ne vous regarde pas, mais je dois vous dire. Je viens de recevoir mon mail. Oui. 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 Je viens de le recevoir. Je suis approuvée dans le programme de Biden. Je vais faire mon tout premier voyage. Imaginez une année qui voyage. Ça va être le premier vrai voyage dans le temps. Eh oui. Je suis vivante en ce moment. Et comme toutes les autres années, je sais qu'il va y avoir un jour où je serai une année passée, le jour de ma mort. Et je sais que je vais mourir. Oui, je vais mourir en décembre. Parce qu'en décembre, c'est toujours une fin d'année. IFH, merci! Et à présent, je vous demande d'accueillir Widens. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Paris. Oui, je sais, on n'est pas à Paris. Nous sommes à l'Institut français en Haïti. Et l'Institut haïtien en France, ça se trouve où? Comme qui essaie de tenter, mais c'est une mauvaise réponse. Donc, ça n'a pas intéressé nous. Depuis sous visage nous, moi, ça n'a pas intéressé nous. Bon. Nous allons essayer de passer une excellente soirée. Donc, je vais essayer d'éviter une seconde guerre d'indépendance. Donc, Wakali. En ce moment, demandez-nous pour nous concentrer. Je vous demande de m'aider à trouver des réponses et à terminer certaines phrases quand il le faut. Donc, en toute logique, je suis votre cher professeur.
vous, vous êtes des ignorants. Je me présente. Je m'appelle Jean-Jacques Dessalines. Cela veut dire que je suis mort pour une cause perdue. Tout à l'heure, je parlais de professeurs. Moi, j'adore énormément les profs. Je les adore. C'est eux qui apprennent un peu le bagage. C'est intéressant. Les profs, est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Il y en a? Sortez, s'il vous plaît. Ah, j'attendais ce moment avec impatience. Quand l'élève devient maître. Vous savez, dans les écoles en Haïti, il y a cette manie de mettre les élèves hors de la salle comme punition. Mais moi, ce que je ne comprenais jamais, c'est quand le prof te met dehors dans le cours, et dans le prochain cours, il te demande d'expliquer ce qui s'est passé. Un cours où tu n'étais pas là. Et quand il te demande, si tu ne réponds pas, il te remet dehors. Mes chers amis, à cause de ça, j'ai passé presque toute ma vie au dehors. Certaines fois, le prof me demandait de sortir, alors que j'étais déjà dehors. Chaque matin, les élèves se lèvent, s'habillent pour aller à l'école. Et moi, je me lève, je m'habille pour aller au dehors. Si, c'est pas incroyable ça. Est-ce qu'il y a des féministes dans la salle? Ah bon, c'est bien. Je vous adore énormément. Sortez, s'il vous plaît. Mais bon, sincèrement, vous devez être fiers de vous. Mais, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Certains d'entre vous croient que c'est un métier. Mais c'est pas possible, ça. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé, mais tu fais quoi dans la vie? Je suis féministe. Tu fais quoi pour gagner ta vie? J'ai déjà ma vie, j'ai pas besoin de la gagner. Et le pire dans tout ça, mesdames et messieurs, je n'étais pas une femme. Je voulais dire, nous, à ce là, à féministe qui n'a pas aucun problème avec nous. Moi, mes mouvements. Vagem, c'est pour moi, d'accord. C'est OK. Pas aucun problème avec nous. Même vous, celle-ci, qu'un problème. Des fois, je me demande, est-ce que le mouvement féminisme va prendre fin un jour? Tu vois, du genre, est-ce qu'il va y avoir un moment où les féministes auront tout ce qu'ils veulent? Droit au même travail, droit au même salaire, droit au même sexe. Ouais. Imaginez ça. Plus de féministes, plus de société patriarcale. Vous allez faire quoi? Plus de féminisme. Vous allez faire quoi? Vous allez vous ennuyer. Qui s'en branle maintenant vidéo? Qui s'en branle dans la manifestation? Qui s'en branle tweet? Bon, ok. Koni qui en daïva. Qui s'en branle vignier? Koniqueuse sportive. Jean-Claude. T'as pas vu le match de Real de Madrid? C'est fou ça, hein? Bon, maintenant parlons d'administration publique. Vous savez qu'en Haïti, il y a des institutions qui n'ont pas de problème. Les seules institutions qui n'ont pas de problème en Haïti, ce sont les bordels. Et ça fonctionne très bien. Pas de problème d'électricité, pas de problème de dollars. Et c'est là que tu croises les hauts fonctionnaires de l'État. Comment tu sais ça? Ben, c'est là que je travaille. En tant que quoi? Ben, en tant que client. Dernièrement, j'ai vu l'homme le plus détesté dans ce pays. Ariel Henry. Pas dans le bordel quand même. Pendant qu'il sortait du bordel. Il avait déjà fini. Monsieur Wagenbon. Comment je fais ça? Comment faire qu'on est? Ma soeur travaille là-bas. Applaudissez ma soeur, s'il vous plaît. Ma soeur. Je suis fier de toi. C'est sûr que nous, chaque qui l'a au moins à l'immigration, soit là, lui ou bien Pétionville, je ne sais pas qu'on est. Parce que mon petit programme là, va être chargé. Je ne sais pas si je suis depuis 2021. Donc, bon.
nous tout qui là qu'on a l'immigration. Là l'immigration toujours jeune monde devant. Hein? Il y a monde qui prêt qui pour faut jeune tout service qu'on besoin. Mon patron vini m'ballo. Mon cap faut jeune service au besoin. Parlez patron. Si m'étais pas prêt pas m'tape service moi. Et nèg qui dehors c'est employé yon employé qui employé en dedans. Donc nèg dehors c'est yon employé en dedans tout. Moi-même, disons, citoyen honnête, moi, pas dans l'enquête, moi, rentré en dedans, mal prend service, moi. Y'aurait voyé, m'bay, même nek de yok, t'as profité, même service, là. M'dis, quête. Moi, mêlé. Où j'aime son citoyen honnête, qui j'aime pas le faire paraître devant monsieur, ça. J'aime te humilier, m'allé. Et, patron, y'a voyé m'go, toi, oui? Parlez-moi, patron. C'est m'dis, patron. C'est pas l'âme d'appui. Merci Paris! Bon, je sais, on n'est pas à Paris. Mandoché, on applaudit Mandoché, s'il vous plaît. C'est ta chance qui est son vie. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, je ne peux pas parler trop fort. Parce que nous avons un monde qui paraît trop loin de ici. Ah, top mystère, nous devons dire ça. Et puis ça gagne. Mais c'est fort, hein. Comment ça a commencé? Un jour, je mettais 4 sous téléphone. Moi. Et puis, pendant que je mettais 4 sous téléphone, moi, message venu. Comme vérifier contre moi, message volé. Je ne dis pas, oh, je vais faire appel, je vais faire plan. Comment je ne fais pas jouer un mais dis celle des grands plans pour moi. Et Jean comme ça, allez bien rapide ça, sous téléphone moi, hein? C'était un plan d'évasion. Son plan. Son plan d'évasion du crédit de mon compte. Ça veut dire pas inquiéter nous là, même si nous, l'État pas un plan pour nous, famille nous pas un plan pour nous, dis celle grand plan pour nous. Et souvent, sans bon plan diabolique, en bon plan sans autorisation, et retourné, et complot qu'on connaît. Qu'on a moi-même bah la bouleversé, nerveux, m'fistoué, m'décide de les services à la clientèle là. Mais faut me dire nous tout, moi-même son monde, depuis m'nerveux, m'fâché, tout ça dit m'bral bonjourment. Qu'on a moi les services à la clientèle là, gon fi qui répond moi. Allô, bonsoir? M'dis bonsoir pour tout. Lui dit, monsieur, comment nous caillons tout? Je dis, comment nous caillons tout? Il dit, oh monsieur, quel est votre problème? Je dis, oh, nous venons voir les 4 mois, c'est moi qui ai un problème. Il dit, mais bébé, calme-toi. Je dis comme ça, calme-toi tout. Et puis, pareil, le bébé, il a 23 ans sous tête. Il dit, à passer le verre au bon moi. Vous ne pouvez pas reconnaître moi. Ah, bébé, il a mis la cala à soi, ou à pime sa chair. C'est là, ça, moi, je suis tellement en colère, je ne peux pas voir madame ni si la peur est dit. Qui donc m'acheter 4 mois mbé machin là yo volé 4 mois madame moi pas le faire payer ça cher depuis là m'commencer prêter dans main dit celle fois ça elle est mourir m'a payé oui parce que gagne des en Haïti pour eux imagine ou besoin bagaille ou pas gagne comme monde qui gagne pour le vendre nous il t'avant nous crédit il prête toi intérêt pour venir acheter dans main encore celle Haïti on sait que des bagaille possible c'est ça fait on dit souvent que Haïti est un pays difficile mais c'est pas vrai on a un bon pays et soyons honnêtes. Soyons réalistes, Haïti est un pays impossible. Ou pas besoin de ça dans le monde là. M'ta de gonlé l'oeil dit, ma ami, ça en Haïti, bon cathédrale. Parce que, bon village de Dieu, nous gagnons. Kade, kidnappé, nous lié tonton. Ou imaginez, Ariel Henry, nous cap subil. Combien de républiques dans le monde là, ou qu'on est gonwa? C'est licite. Mais yon nan bagay, ka fok on est pi bien. L'eau, ou nan bon Haïti ya, lò viv nan bon Haïti ya, bon lò viv tout mouri, bref. C'est le wal la banque. Lò rive, ou vin chache kobou, et pou eke si yo ap gado, comme si te vin braque banque la. Oh, pa gen de la, pa gen de la. On. On l'est.
On l'a mal cherché comme moi la banque. Moi, je me donne pas un dollar. Je dis, mais pas un problème. Je commence à détacher Saint-Iron. Je dis, monsieur, ça fait là, je dis, alors, pour le connaître. Les filles, on commence à détacher Saint-Iron. Je dis, monsieur, 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 pas fait ça, n'a pas un dollar. Je dis, ah, nous avons un dollar. Faut nous t'étendre moins déshabillé pour nous ban moins. Finalement, je finis par comprendre que Banque Haïti, son bordel. Ça veut dire, tout ton pas fait striptease ou pas 20 dollars. Il y a toujours un seul. Il y a toujours conseil de musique qui a passé dans tes speakers bien sous télé. Tu bailles douce. Vous comprenez? Et comme si vous avez tiré un dessous, et puis, vous avez fouillé un petit dollar dans le culot, un petit dollar dans le boxeur, striptease net. C'est ça que fait. C'est ça que fait l'opal dans le banque. Il faut prendre toute précaution, il faut préparer. Tant que nous-mêmes, garçons, regardez, allons dans le gym. Préparez pour nous, 6 packs, nous. Mettez belle boxe Victoria Secret nous sous nous. Pour qu'un secret nous. C'est tout qui a un gros secret. Vous comprenez? Et puis nous même mesdames, assurez-nous que qui l'autre nous à la avec soutien nous. Et puis apprenti danse sensuelle bye. Parce que tout ton fait striptease là puis bien, c'est tout ton wap 20 dollars. Et puis on bagaille pour nous pas négliger. Pas négliger marcher à paparazzite nous parce que faut gagne monde qui a filmé. Vous comprenez? Parce que faut pas aller internet. Pour qu'on puisse la plus rapide. N'a pas point et faut pas la prendre ça on l'aimerait sur téléphone moi. Moi vidéo papa non bon quand à boxer me sous lit. Papa me c'est calme la jambe. Oh yem jouer 0 de 23 n'a vinn dim New York et là me jouer calme la jambe. Et pas ça problème là tout problème non c'est que m'a tande boxeur c'est plus belle boxeur là quand là m'a tande pour me sortir tout m'gai pour mal la banque. J'aime dire que Haïti son pays impossible, gain deux bagages c'est celle-là nature après. Par exemple, Haïti gain deux PNH. Gain la PNH, gain le PNH. Au cas de la police, le police dans langage la ria. La PNH, c'est la police nationale d'Haïti et le PNH, c'est le peuple national d'Haïti. Comment on va le faire pour différencier? C'est simple. La PNH a à sa tête un directeur. Mais le PNH a dans sa tête une directive. Bouakale. Regardez, job police, job sekei, job peuple, c'est Bouakale. La police a fait petit mouvement entraînement. Peuple a lui-même entraîné un mouvement. Bouakale. Et Haïti tellement impossible, même qui était presque impossible. Dernièrement, on s'est mis à raconter une difficulté. Misèle passe pour le fond passeport, Timoun. C'est toi qui premier timène à jour, qui t'es perdu, vous comprenez? Ou pas appeler quitter. Parce que vous parlez gaspiller Virginie tout. La formalement résilié aurait été. Mais manzé te voulait aller. Manzé fait papier et cetera chip et cetera. Il mettait cop passeport là. Les jours arrivés pour manzé elle fait passeport là, il mangeait cop là. Mes amis, priorité ou priorité, monde qui grand goût pas fait passeport. Qu'on a passeport son produit de luxe, malheureux, malheureuse pas en fait. Nous imaginez-nous. On passe pour que l'État mette environ 9 000 gouttes l'État de couteau. L'IPL 50 000 gouttes, Timoun 50. Ça veut dire, on n'est pas seulement la première république noire au monde, mais on est aussi devenu le premier marché noir au monde. Ça, c'est clair. Bah, écoute, bon, moi-même, je vais regarder l'IMIA, ça, et tellement je vais habiter avec vous, moi, tout noir. Je vais regarder nous là, je vais nous. Il y a des endroits de la capitale où même les blancs les plus racistes vivent dans le noir. Ces gens-là, s'ils voient la lumière un jour, sache que c'est la lumière du jour. Merci. Pardon, gros bravo pour Michel Lenat, s'il vous plaît. Martelly. Institut français, bonsoir. Je m'appelle Anedi Azael. Non, je suis la sœur d'Anedi. Peut-être vous ne le savez pas, ce que vous entendez là, c'est ma voix. Et ceci, c'est mon corps.
Et ceci, c'est le fâché de mon mec. C'est tout en relève, les mantèmes. Chez combat et moi, ou la ville. Je comprends comment un garçon a essayé de faire un moment de bail. Des fois, je me dis, j'ai une journée qui était là, je pense à l'arrêter. Je me dis, je garçon a essayé de faire un moment de bail. Et pourtant, maintenant, je ne vais pas haïtien. Maintenant, je ne vais pas au garçon d'ailleurs. Maintenant, je vais son chien. Maintenant, je vais travailler dans l'État. Ça veut dire, maintenant, je vais son gros chien. Et c'est ménage. Applaudis ménage, s'il vous plaît. Moi, bébé. Je voulais devenir humoriste. Alors, mon père m'a dit, ma chérie, tu n'as pas la tête d'un humoriste. Alors, je suis allée voir ma tête dans un miroir. Ça m'a fait rire. Michel Martelly avait-il la tête d'un président? Blondie Ferdinand a-t-elle la tête d'une chanteuse? Elle a la forme. Depuis quand il faut avoir la tête de quelque chose pour être quelque chose? Alors, mon père voulait que je devienne avocat comme lui. Pourtant, lui, à la base, il n'est pas avocat. OK, il est avocat en Haïti. Il n'a pas de formation. Il n'a pas fait des études de droit. Il est rentré tout droit dans l'exercice du métier. Il a juste un ami qui est juge. Du coup, il est avocat. Vous comprenez, c'est une sorte d'avocat par amitié. Ça existe en Haïti, des métiers que l'on fait sans avoir étudié. Par exemple, si tu as un ami qui a une radio, tu peux être animateur par amitié. Si tu as un ami qui est président, tu peux être ministre par amitié. Et si tu as un ami qui est mort au pouvoir, tu peux être Ariel Henry. Comprenez? Je dis Ariel Henry, c'est parce que personne ne sait à quel titre il dirige le pays. Même lui, il ne sait pas. Lorsque j'étais à l'école, je rentrais toujours à la maison avec une moyenne de 8,50 minimum. Et mon père voulait toujours plus. Je suis revenue avec une moyenne de 9,99. Mon père a dit, ouais, c'est ça ma fille, tu es si brillante, mais cela ne suffit pas. Je veux que tu sois lumineuse. Je suis allée, je suis revenue avec une ampoule sur la tête. Un jour, je suis allée voir mon père. Je dis, papa. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu n'es pas avocat et tu ne peux même pas exercer ce métier. Vous savez ce que mon père m'a répondu? Ma chérie, si je laisse ce métier, je ne pourrai pas te payer tes produits de maquillage. Je ne pourrai pas t'acheter un nouvel iPhone et je ne pourrai même pas te payer une nouvelle voiture. Je dis OK, OK, papa. Tu sais, dans la vie, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Donc l'école, la vie, c'est la meilleure école de la vie. Et toi, papa, la vie t'a appris à être avocat et je suis très fière de toi. Continue, papa. Avocat du peuple. Mais quand je regarde mon père, je me suis dit, pour réussir dans la vie, on n'est pas obligé d'aller à l'école. On a juste besoin d'un bon ami, comme l'a dit Ginette Renaud. J'ai besoin d'un ami. Qui travaille dans l'État, à qui l'on peut tout dire, et qui peut tout offrir. J'ai besoin d'un travail, et j'ai beau le chercher, même dans les boîtes de nuit, je ne peux le trouver. C'est incroyable, et c'est vrai. Lorsque la vie te disqualifie, les amis te qualifieront. En Haïti, les amis, ça se soutient. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai où tu travailles. Alors, je sais que mon père n'est pas avocat. Même avec ma mère, il ne peut pas défendre une cause.
Dernièrement, ma mère l'a surpris avec une autre femme. Il ne pouvait même pas se défendre. Et pourtant, mon copain, lui, il est très bon avocat. Un jour, je l'ai surpris la main dans le sac avec une meuf. Vous savez ce qu'il a fait? Il a retiré sa main dans le sac et il a mis ma main dans le sac. Alors, moi qui croyais que j'étais sa petite amie, alors, j'ai constaté que je suis devenue un plan du cul de sac. Merci! Alors, je vous demande d'applaudir l'entrée. Institut français, bonsoir! Bonsoir, Institut français! Est-ce que ça va? Moi aussi. Waouh, on aura à faire pas mal de choses ce soir. Chers amis, saviez-vous que dans une année de 365 jours, ou 366, si c'est une année bisexuelle, bisextile, pardon, t'es homophobe? Non, t'es homophobe. C'est pas bon ça. Je disais, dans une année de 365 jours, il y a 652 journées mondiales. J'ai fait cette remarque le 5 avril dernier. C'était la journée mondiale de la conscience. Du coup, j'ai pris conscience du fait et j'ai essayé de retracer l'histoire du concept. Parce que moi-même, à la base, je croyais que toutes les journées étaient mondiales. Mais un ami qui a déjà voyagé m'a dit que, apparemment, lorsqu'il fait jour en Haïti, il fait nuit en France. Donc, du coup, lorsqu'on célèbre une journée mondiale en Haïti, on célèbre une nuit mondiale en France. Et figurez-vous, chers amis, qu'à l'ONU, de les Nations Unies, il y a une assemblée rien que pour ça. Okay? Des gens qui sont payés pour programmer des journées mondiales et des journées internationales. En entendant cela, je me suis dit, okay, ces gens-là sont comme les gens du ministère de la Justice en Haïti. Okay? Ce sont des gens qui sont payés pour ne rien faire. Et ils le font. Par contre, il y a lieu de mentionner qu'il y a une très, très, très grande différence entre journée mondiale et journée internationale. Je m'explique. Une journée mondiale, c'est une journée qui est célébrée dans le monde entier. Cependant, une journée internationale, c'est une journée qui est célébrée dans l'international en entier. Ça, c'est la différence. Et moi, j'imagine comment ça se déroule dans leur travail. Des gens, ils viennent et disent, OK, bonjour, chers amis. Quelle journée mondiale n'a pas encore vu le jour aujourd'hui? Eh ben, monsieur... OK, écoute, il n'y a pas encore de journée mondiale, des journées mondiales. Ce sera comme une journée de 24 heures consacré pour célébrer toutes les autres journées de 24 heures dans notre si beau monde tourné autour du soleil pendant 24 heures, 365 fois pendant l'année. Ce sera une sorte d'équation, 24 exposant 24 entre parenthèses, multiplié par 24 entre crochets, multiplié par 365, ce qui nous donnera exactement un nombre imaginaire. Voilà. Moi, j'imagine que ces gens-là, ils travaillent selon leur humeur. Parce qu'il y a des journées mondiales, je vois que c'est important. Mais il y en a d'autres, chers amis. Je me demande, c'est quoi l'idée qui cache derrière tout ça? Prenons le cas, par exemple, il y a la journée mondiale du compliment, le 1er mars. C'est-à-dire une journée consacrée pour complimenter tous les gens que vous voyez. Genre, vous trouvez une amie dont les caractéristiques ne répondent pas vraiment aux normes de la beauté. Qu'est-ce que vous allez dire à cette amie ce jour-là? Genre, waouh, Candide, mais qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui? On dirait que t'es la laideur en personne. Il y a aussi la journée du 13 janvier, la journée des sans-pantalons, ok? Une journée consacrée pour nous les mecs à marcher avec les couilles à l'air. Moi, j'aime cette journée, ok? Une journée consacrée pour marcher avec les couilles à l'air. Mais pas la peine, madame. Il y a là aussi la journée des sans-culottes pour les filles, le 22 juin. T'aimes ça? N'est-ce pas? J'espère que t'es sans-culottes, n'est-ce pas? Je le vois. Moi, ce que je rêve, c'est une sorte de fusion entre la journée mondiale des sans-pantalons et la journée mondiale des sans-culottes. Waouh, j'aimerais ça. Et vous savez, c'est en mars qu'il y a les journées mondiales les plus improbables. OK? C'est en mars qu'il y a les journées mondiales. Il y a la journée du 3 mars. La journée mondiale de la bataille des oreillers. Donc, vous imaginez un 3 mars entré dans votre chambre et vous voyez sur votre lit des oreillers, en genre Mark Tyson. Et tout de suite, au lendemain,
du 4 et du 3 mars, il y a la journée mondiale du 4 mars qui est la journée mondiale de l'improvisation. Une journée consacrée pour improviser. On ne fait rien qu'improviser. Vous imaginez, vous prenez l'avion ce jour-là. Au moment de l'atterrissage, votre pilote, celui qui conduit l'appareil, vous dit « Ladies and gentlemen, votre attention, je vous prie, et c'est votre capitaine. Normalement, on devait atterrir pour Dubaï, mais on va improviser. Du coup, j'espère que vous avez pris votre parachute. Et si vous voulez quelque chose en cas d'urgence, eh ben, improvisez. Vous, ou bien madame, vous, je vous adore. Ou bien, vous allez voir votre gynéco ce jour-là, ce jour de 4 mars. Il vous dit, écoute madame, normalement on devait avoir une consultation, n'est-ce pas? Mais on va improviser. C'est-à-dire, au lieu d'une opération chirurgicale, je te ferai une opération poids calé. Tu verras quoi, hein? Ok, il y a aussi là, il y a des journées aussi comme la journée du 28 février, c'est la journée des maladies rares. Ok, une journée consacrée à des maladies rares comme la déficience en ribose 5-phosphate isomérase, genre la trimoxéline, André Michel, barbubuténol, ou du moins la sclérose urilatortue anale. Eh bien, ces maladies là ont leur propre journée mondiale. Cependant, il y a une journée de lutte contre le cancer. Dernièrement, je lisais une article qui disait qu'en 2021, le cancer, à lui tout seul, a tué 26 300 personnes par jour. Une équivalence de 9,6 millions de personnes cette année-là. Et les gens à l'ONU ont eu l'audace de planifier 24 heures de lutte contre le cancer. Wow! Comment ils vont lutter contre une maladie qui s'est à lui seul tué 26 000 personnes? Et comment ils font cette lutte-là, chers amis? Ils font des forums, des campagnes de sensibilisation. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire du coca. Moi, à la place d'une journée de lutte contre le cancer, je dirais une journée de paix avec le cancer. Parce qu'on sait qu'on ne va pas gagner cette lutte, n'est-ce pas? On ne va pas gagner cette lutte. Mieux vaut faire la paix avec le cancer. Vous allez dire ça avec moi? Faisons la paix avec le cancer. Vous êtes con avec le cancer, franchement. Wow. Et il y a aussi le 24 mars, la journée mondiale de la procrastination. Vous imaginez, la procrastination a sa propre journée mondiale. De cette journée, on n'a qu'une seule chose à faire. Ne rien faire. Non, pas procrastiner. Une journée où l'on ne fait rien. Genre, on se lève le 25 mars, on se rendort pour réveiller en 26. Moi, j'imagine que cette journée devait avoir eu le 24. Mais comme c'est la procrastination, on l'envoie pour le lendemain. OK? Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que moi, je suis un procrastinateur pro max. C'est-à-dire, lorsque je remets quelque chose à demain, même demain me remet la chose. OK? Il y a ma petite sœur, elle n'a jamais procrastiné. Je ne comprends pas. Parce qu'au départ, pour procrastiner, il faut avoir quelque chose à faire. Ma petite sœur n'a jamais rien à faire. Elle n'a jamais rien à faire parce qu'elle n'est pas encore née. Non, je plaisante, je plaisante. Heureusement, elle est morte. Ah, vous riez de la mort de ma soeur, franchement. Applaudissez ma soeur au fond, s'il vous plaît. Écoutez. Vous regardez qui? Je viens de vous le dire, ma soeur n'est pas encore née. Vous êtes là ou quoi? Franchement. Et certaines fois, chers amis, il y a des journées mondiales qui marchent de concert. Okay? Certaines fois, les gens à l'ONU, ils savent faire leur travail. Par exemple, il y a la journée du 7 mai. La journée mondiale du rire et de la masturbation. Une journée dans laquelle tu ris, premièrement, et tu te... OK? Une journée de paix. Pour moi, c'est la journée mondiale de la jouissance. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que peu importe la façon dont je suis content, je n'arrive jamais à rire lorsque je suis sur le point de jouir. Monsieur, vous avez essayé de faire ça? Vous riez alors que vous masturbez? Vous avez essayé? Non, vous n'allez pas faire ça là quand même. Il y a des gens, ils regardent. Franchement. Il faut dire que la masturbation, c'est quelque chose chez nous, les mecs, qui moche de façon automatique. Okay? Je ne sais pas pour vous, les filles, mais moi, je me réveille. Chaque 4 heures du matin, je me lève. Il se lève. Nous levons. Nous allons dans la douche pour jouir les plaisirs de la vie. En parlant de la vie, il y a aussi la journée mondiale de la vie, le 30 octobre. Vous imaginez, un 30 octobre, le jour consacré à la vie. Donc,
Je me demande, donc, à part du 30 octobre, les autres jours, on est censé être mort. Parce que c'est la journée de la vie. Et le pire, c'est que j'imagine quelqu'un perdre la vie, ou bien du moins, quelqu'un mourir le jour de la vie. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là est morte à vie? Par contre, on n'a pas mis de journée mondiale de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, on lui a consacré un pays. Et si je vous dis quel pays est consacré à la mort, vous me direz? C'est Haïti, pays sans chapeau. Nous connaissons ça bien. Haïti, Haïti. Non, pays sans chapeau. Faut dire que, depuis que je commence à parler là, je connais un pile là, nous avons gardé. Je me dis, ok, mais c'est passé, il n'y a pas dit rien sur 8 mars. Si je vous dis 8 mars, c'est la journée consacrée au droit de la. Ouais, mesdames, vous ne pouvez pas répondre. Tellement féministe. Ouais. La journée du 8 mars, moi, c'est une journée que je respecte beaucoup. Parce que, mais je trouve que c'est un peu ridicule de programmer une seule journée consacrée aux doigts de la femme. Parce que, à part ses doigts, la femme a des orteils, elle a des mains. Donc, on devrait consacrer une journée mondiale pour chaque partie du corps de la femme. OK? Donc. Merci. On devrait consacrer une journée mondiale pour chaque partie du corps de la femme. Et deux journées mondiales pour la partie qu'elle a de plus importante. La partie que nous aimons tous, les mecs, n'est-ce pas? Son cœur. Le cœur de la femme. Et aussi, je ne suis pas féministe, désolé, madame. Je ne fais pas partie de ceux qui luttent pour la supériorité des femmes par rapport aux gens normaux. Mais je suis sûr qu'il y a des choses que seule une femme a la capacité de faire, et je suis sûr de ça. Par exemple, porter en soi un être humain pendant 9 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous demande d'applaudir, vous les familles. Ah, il n'y a pas de femmes. Parce que qu'est-ce que vous êtes belles? Moi, j'aime regarder les femmes. Surtout quand elles sont nues. OK? Et même ma mère. OK? Mais il y a des... Oui, c'est faux. Je plaisante. Mais c'est vrai. Vous imaginez... Quelqu'un portait en soi un être vivant pendant 9 mois. Alors que à l'école, on m'a dit que lorsque le garçon devient mature, il porte en lui 350 millions de spermatozoïdes par jour. Moi, je n'arrive pas à garder mes spermatozoïdes une journée. La femme les garde pendant 9 mois. Et seule, à cette minute où nous parlons, seule une femme avait eu le courage de parler avec le diable en face. Seule une femme a la capacité de faire ça. En parlant de... Merci, madame. Vous pouvez applaudir. J'aimerais entendre le son de ton applaudissement, encore une fois. Merci. Et elle se sent fière. Oui, c'est bien. Où était Adam ce jour-là? On se demande ça. Et en parlant de diable, de femme, de création, moi, je trouve que Adam, c'était le mec le plus imprudent de tous les temps. Le plus négligent. Parce que selon la Bible... au départ, notre planète n'était pas encore un globe, c'était un jardin. Et vous imaginez, le mec dormait seul dans le jardin, et un matin, il réveille et voit, je ne peux pas dire quelqu'un, un individu tout près de lui. Il n'avait mis personne. Il n'a pas posé les bonnes questions, genre, et si c'était une extraterrestre? Et si c'était le diable? Il n'a pas fait ça. Il a fait un poème, genre, le premier poème de l'humanité. Waouh, cette fois-ci, c'est celle qui est chère de ma chair et os de mes os. Je l'appellerai femme, car elle a été prise de l'homme. Moi, j'imagine les répliques de Ève si Ève était une féministe. Ah bon, monsieur est un macho. Écoute, de quel droit oses-tu me traiter comme tu veux? Je n'ai pas le droit de m'approprier mon propre nom. Chut, Adam n'a rien dit. Chut, écoute. Dorénavant, monsieur le macho, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Vous allez m'appeler à ma façon. Tu veux que je te réponde? Alors, il va falloir que tu m'appelles comme ça. Femme indépendante. Et il y a aussi, lorsque Dieu leur a dit, allez Ève, tu vas croisser, multiplier, remplir la terre. Et puis, j'ai entendu Dieu dire que je vais croisser toute cette terre. Adam, dis-moi, à qui coco? Moi bien, monsieur le macho. Tu sais, j'ai jamais reçu l'éducation à devenir femme au foyer. Tu veux une bonne personne pour occuper tes gosses, tu vas devoir trouver une servante. Ève, mon amour, ma chérie, écoute-moi. Tu m'écoutes? Nous sommes deux dans le jardin. Où est-ce que tu penses que je vais trouver une servante? Ou pas de cas d'il, ça l'est le tape du mal fait petit là, tout non? Et il y a aussi la scène du serpent où le serpent a dragué la femme. Okay? J'imagine que Ève allait faire ses courses. Et le serpent était là. Psst. Psst.
Hé, hey, de quel doigt oses-tu me siffler, hein, sale bête? Excuse-moi, madame. Alors, excuse. Techniquement, je ne peux faire autre chose. Je suis un serpent, je ne peux que siffler. Écoute, tu sais, tu commences à m'énerver. On dirait quelque chose cloche chez toi, là. Oui, madame, c'est ma queue. Je suis un serpent en clochette. Écoute, sale bête, tu commences à m'énerver, là. Tu sais quoi? Je m'en bats les couilles de quel type de serpent que t'es. Madame, écoute, tu es une femme. Les femmes n'ont pas de couilles. Vous imaginez si c'était aujourd'hui, le péché ne rentrerait pas dans le monde. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'avec le ministère de la condition féminine, les féministes, une chose est sûre, c'est que le péché ne rentrerait pas dans le monde. Elle aurait tellement de personnes à la défendre. Ce serait une chose, une seule chance pour que Adam soit expulsé et elle soit restée. Merci, chers amis, ça a été un plaisir. Et maintenant, vous allez faire un maximum de bruit pour un ami. Vous allez faire un maximum de bruit pour mon ami Bernie, chers amis. Coupe-moi ça. Mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, m'gè chenet et bon barrière. Je suis Fritz Bernie Jean-Baptiste. Mon nom de scène, c'est Benji B. Je suis né en Haïti. Voilà. Et comme vous le savez déjà, Haïti est un pays pauvre. Mais contrairement à ce que vous pouvez vous imaginer, je suis né dans une famille riche. En bonté. Voilà, on avait de la bonté à en revendre. Sauf que personne n'achetait. Du coup, on est pauvre, quoi. Voilà. Voilà. Et je pense que ou pas qu'en Haïti pour bien en même temps, c'est contradictoire. Déjà, Haïti son pays, c'est pas la passe jeudi, elle pas tout résoudre, elle pas jamais résoudre encore. Maintenant, je quitte ou tout quitte le tout. T'as l'air ou attendre ou non, c'est virine, t'as virine, pas qu'on est. Évitez ça. Nous avons dernièrement la prison quoi des bouquets à craser. Ouais, toute prisonnier qui sauve ou, si ou pas tout près ou même jour à mettre ou dans prison, ou libre. Ou quand c'est hésitant des conversations en policier quoi, ancien prisonnier, quelques mois après. Policier. Oh, Ariel, apportez sauvé, hein? Ah oui, mon cher, me sauvé, papa. Mon cher, moi, l'op sauvé, hein, men. Me fait deux cartouches de homme, et pour nous, men. Ou volontaire, men. Ça débrouille, ça débrouille. Et ou, men, moi, toujours pas de sécurité en dedans, men. Non, mon cher, me sauvé tout. Mon cher, pas vraiment policier en dedans. C'est ça, yon prisonnier aîné. Son policier que t'as quitté et puis tout bon. Tout prend uniforme, non, prend badge. Mais bah écoute mais bon. Ne pas qu'à parler trop Haïti et qu'on s'allie. Et en parlant de policier, j'ai toujours imaginé si t'as un policier gay dans la police là. Policier homosexuel. Un policier qui apparaît quand hey, les bandits. Excusez-moi, ok. Écoutez. Excusez-moi si je me fais le conseil. C'est parce que dans la tête, moi, depuis un garçon ou gay, c'est conseil. Pas un bar ou gay ou tog. Ça, c'est trahi la cause. Cherchez qui soit ou pas gay. On son police est capable de. Hey, les bandits, vous êtes en état d'arrestation, ok? Oui, bandit, on a les armes. Yo, po, po. Oh, oh! Maintenant, on sort les armes. On sort les armes. Oh, les bandits qui tirent, tenez ça. Pa, pa. Alors, écoutez, ça, c'est pas... Toi là, je vais te tirer, oui. En fait, c'est pas pour critiquer. C'est pas pour critiquer. A fait la PNH, son institution vraiment pile, son institution appréciée. Et pas qu'on ne sime pas policier, mais pour me dire policier, faut me donner un poste côté pas vraiment réglant rien. M'da DG, parce que j'ai l'impression même DG, un gars des matins levé le fait. Bon mes amis, pour savoir d'y avoir réglé dans le pays ça, PNH ça même pas un monde qui dirige. Et puis pour ménager, pour madame ni répondre, un bien bébé. Eh oui, qui directeur. Pas poser me voir, pas poser me question sur voir ménager, me pas dire nous ton femme. Bébé ou pour passer aujourd'hui et ou comme diriger. Moi même. On pas qu'être négas, moi besoin passer aujourd'hui, moi me connais même. Bon mais ou même là là me font baga ou pas faire. Ou là même passer jeune garçon n'importe où prince l'autre. Ou besoin raïm. Qui les a me dit de prendre les opérations
bracalé. Me dit oh non. C'est rete, me rete, me tende bandi a mouri nan peyi a. Et me parle avec eux, me dit oh job yo, yo là pour yo protéger et servir. Les gangs. Ben, vas-y. En parlant de gang, en petite parenthèse, pour aller en pile parenthèse dans la performance, ok? En petite parenthèse. Il y a un problème avec bandits. Mais pas qu'on a ça qui a fait non, ça, tout le monde, bon, nous bouquer. Mais, ben, m'expliquez-nous, il y a un problème avec bandits. Il y a un plus gros bandit que le monde, déjà, me connaît, tout le monde, c'était non avec ça, tout le monde, de qui est soit parlé, c'est Pablo Escobar, qui prend plein de monde à balle. On est méchant, souvent de parler de Pablo Escobar, ou pas qu'à pas peur. En France, il y a un plus gros bandit que la France, déjà, me connaît, t'es poté non, Gaëtan Zamba. L'autant de Gaëtan Zamba, non, zone, non. Ou pas qu'à pas peur. Mais t'arrives en Haïti, le bandit, comment il s'appelle? Barbecue. Oh, ah non! Petite pluie. Les 10 secondes. On ferme cette parenthèse. Donc, j'aime bien dire, nous, moi, dans la police, là, très bientôt. Mais, ça me pas d'accord. C'est un coup, si non, là, et puis, commandant, là, la passe l'ordre. Escouade 1, nous allons faire poste Pétionville. Escouade 2, Benjibi, ou non, escouade 2, nous allons faire poste Matissan. Escouade 3, commandant! Comment? Da. Affaire pas mes amis, la vie chérie. Bon, c'est qu'on est glissé là. Parce que moi-même, généralement, plus dans team Piri, c'est petit. Attendez. Yozou, vous allez faire poste. Matisson, vous allez faire poste. Matisson. Eh bien, moi-même, moi-même, non. Parce que nous, quand les nous chitons à pédérer les dans toute la rue, job police, job secret. Parce que à la base, je connais ma patrie, nos institutions, l'État, qui l'a pour protéger et servir les gangs. Mais, je ne sais pas si je connais nos mogs d'aventure là pour me faire ce qu'il y a avec nous. J'aime lâche. Attendez. Même mon bon job sécurité m'pa d'ap ka fè nan peyi a. Tout nèg mwen ka fè sécurité c'est héroïque. Bon. A qui ça m'va faire sécurité? Mais on y a OK, m'sécurité ton maquette. On a un gros nèg mais ou t'es entré, li prend 3 sachets pin l'ap sorti. On y a tout moun. Sécurité, arrêtez-le. Pendant ma pauvre porte là pour monsieur a sorti. Son bocal m'en bambali pour la frapper, P.O. Dans moi, m'pam nan caché péché. Boucher l'ombrit, m'pam nan j'en ou dire. Moi-même, pour bien. De mon ménage, m'dil m'sonne qui lâche. Li pa vle kwe. On lè n'a marché dans l'aria. Nous, on bo. Ancien ménage dit non l'autre bon. Ça veut dire seul moyen pour gagner pour moi-même avec ménage li rencontré c'est pour nous traverser la rien pour nous kan même bon. Ça qui pas dans tête moi du tout. C'est rete moi le prendre même li vous li traverser la rien même contre ménage là. Et puis dit chérie, mais si tête me quitter pour moi ma vol attendez. Mesdames messieurs l'église. Monsieur Noël il relait Ti tintin. Aïe, nègla, il m'a regardé là. Même visage, nègla, m'a beaucoup carré bien. Son nègre, ou bien impression, pendant tout nègre dans le gym, appelé VFE, monsieur appelé VFE, gym, non, à tout nègre. M'gade nègla. M'gade demoiselle là, parce que m'gade pas reconnaître lui. M'di, chérie, nèg sa ka on tintin. Mais le ponti tintin, non? Monsieur son gros tintin. Ah, mais m'kote a m'kouy. M'kouy, pendant ma m'kouy, kon sa m'voye, j'ai m'wè ti tintin kap kouy dem. Eh, pas nèg la, nous ménage, oui. Et t'as problème, oui. T'as problème. C'est pourquoi m'a cherché un ménage.
Bon, dès qu'on ménage, j'ai quitté, m'quitté le tout, clair. Quoi, ça m'y est. Tout son monde fait m'folie tout. Ou même, vraiment, ou beau, m'beau, on fout plus même. Pertinemment, nous, qu'on réponse là. N'a plus mon tout. Et on m'en ou, bam, cob, ma beau cob. Donc, tout le monde là, qui t'a remis, j'ai un petit cob dans même. 48, 48, 64, 74, mon cash, merci déjà. Donc, ma cherche, on ménage, mais pas n'importe qui ménage. D'un coup, mesdames qui m'ont fait photo sous pointe pied. Bon, douette, tout, bon, deux douettes. C'est un véritable fléau. Eh, hey, bah ça, elle me dit nous sommes malades, nous capable quoi? Mon arrivé là le font photo passeport. Il dit madame camper pour faire photo passeport. Mais madame, nous pas prendre tout corps, qui t'aime comme ça pas jamais connaît. Pas besoin mode femme ça. Et mode femme ça c'est de femme plus jeune dans l'école moi. L'école moi c'est côté me vivre en pile expérience. Nous pas qu'on entrer, nous pas qu'on en conversation, mais nous pas qu'on joindre un dit. Mais nous dans conversation. Ça arrive même après les vacances. Moi, l'école, qu'on a tout, on entraîne à expliquer, mais qui ça nous a fait pendant les vacances. Natacha, commencez par parler, vous parlez de l'an. Moi, j'ai été en France, beau pays, la Tour Eiffel, etc. Natacha prend. Moi, j'ai été en Italie, j'ai pas aimé, je me suis rendu à Dubaï. Oh là là. Dubaï, le soleil, les plages, Bon, on s'accueille ça, des fois, on a parlé en bagarre, on va intéresser là-dedans, toutes sortes de la c'est Maintenant, il est venu mon tour de partager avec eux ce que j'ai fait pendant les vacances. Qui c'est rien, en gros. Mais, commencer à parler parce que, à la base, moi, j'habitais Carrefour. Et bon, j'ai été dans le Var. J'ai vu les bandits, les ISO, le barbecue. Manique dit bandit, policier qui apparaît. Où sont les bandits? Pas. Et puis. Et puis, merci. Et, tu aimes le policier. Et puis, voilà. Et puis ensuite, d'autres activités importantes que j'ai effectuées durant ce moment. J'ai fait mon passeport. Oh là là, ce fut une expérience extraordinaire. D'abord, j'ai laissé ma maison vers 9h, 10h du soir, oui, pour me rendre à une institution de l'État. Donc, les mouvies, dans les devant immigration, sur le trottoir, avec les autres amis. Bon, ce ne sont pas des amis, ce sont ma famille, d'autres gens qui étaient venus également. Parce que c'est ta famille, parce que tu apportes de la nourriture, ils mangent ça. Ou pas, ouais, boussou, ils prennent ça. Ou ap chercher boussou, ils ap chercher l'inameo, ou elle, ou dit c'est boussou, ils disent non, c'est pas lui, ou dit c'est lui. Effectivement, c'est boussou. Ensuite, nous passer 5, 6 nuits. Je n'aurais si j'ai une opportunité pour nous entrer en dedans. Nous pas joindre aucun employé. C'était un jour férié. 5 mois après, je finis de joindre un passeport immédiat que je t'ai fait. Effectivement, c'est mon nom dessus. Mais ce n'est pas ma photo. Je suis un petit genre déçu, tout petit. Mais j'étais content au fond parce que moi, je peux aller vivre toute belle expérience avec ma famille. On applaudit ma famille, s'il vous plaît. Ah, et puis là, je finis par l'histoire. Je ne sais pas si quel monde devant moi. Donc, je vais histoire. Mais nous, même oublier qui côté de la histoire. Donc, voilà, c'était à l'école. Maintenant, l'école, son côté, je vraiment pile en pile. Parce que, il y a un côté, plus par aimer l'école. Parce que nous, tout connaît, c'était. Comme examen, hein? Récréation. Non, c'est pas récréation, je rigole. Mais c'était examen, effectivement. Parce que, examen, je trouvais que son étape dans l'école là qui gon stress en trois niveaux. Avant, pendant, après. Avant, ou pral composo par qu'on a rien, déjà. Pendant, ou ap composo pour qu'on a fait rien. Ou jouen Ariel, kap remet. Laissons va recommencer vos points. Eh bien, Ariel, papa, examen, t'es dans mon. Sauf en toi. Stress dans ça l'examen pour courir. C'est l'op descendre sous la cour. Ton donc seule discussion. Oh, t'as gagné 2 vrais, 5 faux. 4 vrais, 3 faux. À ce moment, ou ap mande t'es tout. Qui compte dans l'examen, qui t'a gagné vrai ou faux. C'est qu'on y a ou ap apprendre examen, t'es recto verso. Examen au total sous 100 points. Recto seulement fait sous 5 points. Verso pas fait sous 1452 points.
Les gens sont passés, sous la carte, ça fait, tout est faux. Nous vivons dans un monde imaginaire, tout bagaille faux. Tout bagaille faux. Comprenez? Ça c'est stress pendant. Maintenant, après, l'examen fini, les nous tournons dans la classe. C'est là que ça ne va pas prendre. Aucun petit monde dans la salle n'a pas passé coup mathématique là. Pour vous dire mathématique là, bon, j'en ai rentré dans la salle là. Dans Jean regardez nous tout comprendre si c'est nous-mêmes qui avenir pays à caca voyer. Discours pas on commencer l'autre Jean. Mien 27 ans depuis m'a fait cours ça. Ça fait 34 fois ça arrivé. À un moment donné, m'oblige à demander si c'est moi-même qui problème non ou bien c'est nous-mêmes qui sort. Parce que les m'ap imaginer, j'ai toujours dit un élève qui pas qu'à travailler l'école, ce soit son génie ou bien le sort. Et entre moi et même avec nous, si nous t'as bon génie, t'as plus industriel. Mais moi-même, comme j'ai toujours pire aimé l'école, c'était anglais. Oh là là, English, oh my God. Ladies and gentlemen, nous avons mesdames ça, oui, qui ont deux mots anglais, mais toujours voulu sûr que vous connaissez deux mots anglais. Qui c'est nice, beautiful. Oh ma chérie, tu es vraiment nice today. Ma chérie, tu es vraiment beautiful. Eh bien, moi-même, anglais était langue pam. Mais qu'on bagaille avec anglais. Attention, nous là, anglais sont langues. De pour comprendre ni ou ap parler mais soit fait rebelle avec ou pas parler faut comprendre que dans tête ou ka konnon kon parler mais bouche ou pas en collaboration avec tête ou on connait qui l'on va rendre compte de ça parce que pour haïtien tout haïtien pas connait parler anglais y a veo là n'importe qui photo ouais et il connait kon parler ou pas konnon pas konn parler c'est l'on parle avec un américain. Conversation toujours très très bien commencé. Hello, hi, how are you? I'm fine, thanks, and you, thank you. C'est les Américains ont commencé bon petit parti dans ville. Bah, ils ont pral gâté, non mais. Commencé, you know, I have three daughters. One of them is a doctor. It's amazing to see my daughters growing up. Ouais, à ce moment-là, l'église. On a exactement deux mots dans la bouche. Yes. Non. Écoutez, ou pas qu'on nique la gueule n'importe comment. Après chaque deux yes, ou font si sourire ou la gon si non en bali. La parler ou la yeah. Yes. Non. petite parenthèse. Nous va répondre moins par yeah ou bien non. Est-ce que ça va pas qu'on arrive, nous, on a marché dans la rue, hein, nous chaud, et puis on entre dans la maquette juste pour une bonne petite frise. Yeah. Mais est-ce que nous qu'on a acheté? Non. Ouais, à ce moment-là, où tous nos experts en prix des produits. Ou bien, on a marché là, on m'a dit, combien on vend de gilets encore? Bon, alors, ça dépend de qui maquette ou à pas aborder. Parce que dans Daily Mart, on a livré 1512 gouttes, dans Olympique, on a livré 1210 gouttes, soit 26% de moins. Donc, dans Daily Mart, frisant plus cher. Yeah. Pas qu'un pillage sous la terre encore. Même si elle n'a pas pillage sous terre. Yeah. Et, on dit nous ça. En fait, ciel là est moins lié. Jean ça y est maintenant ciel. Chita la suivre moi pas en j'ai causé nous. Moi maintenant ciel parce que je voulais vivre ça pendant me font appuyer sur mon nuage. Ma font ciel et puis pour moi Marie qui passer devant moi. Ça fait faut gain internet dans ciel là. Parce que faut me caraler Twitter, me faire photo Marie avec hashtag yo pas vierge vrai. Non ouais quoi. Oh diable Joseph. Eh non, j'assume pas. Non, c'est ça nous. Bon me dit nous bien, dans moment m'a pas prendre comment pour me venir un pasteur parce que son très bon moyen pour passer pour arriver dans ciel là. Pour riche tout. Nous sont entrepreneurs.
Parce que moi, je vais prendre un pasteur. Et je vais prendre un pasteur, ma pied. Parce que j'ai des pasteurs, on est leur arrivé l'église là, qui commençait à prêcher l'église. Bon, moi, amène là. Bon, hé! Pour 50 gouttes, je viens. C'est Youn. Mais moi-même, je connais mon bon pasteur, Dexter. Pasteur Cap, pour l'op dans la church là, l'arrivé lui, il m'a dit, regardez. Put your hands up. Regardez, ouais là, we gonna attack the enemy. Nous va le varier dans mes ennemis là. Femme t'en dendi brrr. Nous va le dire parole là, ennemis en Paris. Mais attendez. Femme t'en dendi ratatata. Merci tout le monde, c'est David Jury. Ok, ok, merci. Kantav, c'est moins que l'eau sur stage moyen? S'il vous plaît. Mbap Gadi. Prêtez-nous stage là, s'il vous plaît. Ouais, Kantav sur le stage, papa. On applaudit Kantav, mesdames, messieurs. Wow. Waouh! On m'applaudit, s'il vous plaît. On se met debout. Mettez-vous debout! Assoyez-vous maintenant. C'était extraordinaire pour moi-même, spécifiquement. Parce que, à la base, pas passé si nous t'as pris. C'est serment, hein. Puis nous rit quand même. Donc, vous encouragez la médiocrité. Non, mais on applaudit. Et maman, des pour toutes... comment est-ce que déjà? Pour toutes... comment est-ce que déjà? Fini non. Nous répétez bah là, on fait pas ces misères. On les applaudit s'il vous plaît. Ok. Non, pas ou même avant. Moun qui bien passé yo avant. Ok. Non, moi, nous sommes moun qui vraiment, ok, qui dur. Nali. Et non, devinez. On applaudit non s'il vous plaît. Tant que nous allons descendre dans le nom blanc, applaudit moins parce que moun ça va vous passer moins. Ok. Vini, on nous fait mal à la répétition, mais on applaudit s'il vous plaît. Long prêt. On applaudit année s'il vous plaît. On applaudit Florence s'il vous plaît. On applaudit Mardoché, s'il vous plaît. Bon, en gros, c'est ensemble de humoristes qui t'est performé jeudi. Hein? Il y a quelqu'un qui parle? Il y a quelqu'un qui me parle? Qui est-ce que me parle? Quelqu'un qui me parle? Arrête les têtes ou moi. Ouais, mon ça, même si nous sommes brillés, nous ne sommes pas brillés. Où sont-ils sous moi, my nigga? Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. Non, mais arrêtez là. Frère. Oui. J'allais oublier. Alexandro. On applaudit Alexandro, s'il vous plaît. Bon, anyway, applaudis policier Guéa, s'il vous plaît. Tu ne sortiras pas d'ici. Ok, Wow. Serrez-nous un petit peu, ok?
Wow. Mesdames et messieurs, voilà, c'est quelques représentants. Oui, bien sûr, bravo, bien sûr. C'est quelques représentants de Comedy Club, IFH. Que maman d'applaudir avec plus chaleur, s'il vous plaît.